Salut les amis, bienvenue sur The Max Remo Collection. Et aujourd'hui, nous allons parler du casque Black Series de Boba Fett. Et pour tout vous dire, je suis vraiment conquis par ce nouvel objet et lorsque je l'ai reçu, c'était un peu la fête à la maison. Bon allez, enchaînons. Focus rapide sur la box de ce casque Black Series en guise d'introduction à cette review. Et je serai assez concis sur le sujet, vu que ça reprend la même charte graphique que toute la gamme Black Series. On a le logo de cette gamme clairement mis en avant. On a également le logo du 40e anniversaire de l'Empire Contre-Attaque. Et, chose importante, on a en gros précisé qu'il faut une pile triple A et qu'elle n'est pas incluse. Si on continue à détailler un peu cette box, on voit qu'on a le crâne du mythosaure emblème de Boba Fett sur la tranche. Il est plutôt sympa, mais rien de révolutionnaire. Et au dos du casque, on n'apprend pas grand-chose sur le perso, juste qu'on a une chouette reproduction du casque du film. Auto-congratulation donc de Hasbro. Voilà, grosso modo, c'est un perso qu'on connaît, il n'y a pas grand-chose à en dire sur la box. J'ai hâte maintenant de l'ouvrir et de découvrir ce casque avec vous. Allez, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Avant d'aller plus loin, on lit la notice. Pour continuer cette review unboxing, vous aurez besoin d'un tournevis et d'une pile. On trouve sur le côté le capteur de son de mouvement, il se déboîte pour révéler la trappe qui abritera la pile. Et là, c'est plutôt judicieux d'Hasbro car ça camoufle bien cette trappe. Elle était particulièrement disgracieuse sur le casque du Stormtrooper, même si c'était à l'arrière du casque. Allez, on accélère un peu. Et maintenant, on insère la pile. Et par contre, on fait bien attention d'acheter une pile triple A et pas une pile double A parce que sinon, ça rentre pas. Voilà, là, c'est mieux. Une fois cette étape réalisée, on remet le capteur à sa place initiale et on peut insérer l'antenne en faisant bien garde d'enfoncer les deux petites tiges pour faire contact au bon endroit sans rien casser, ça serait dommage. Et là, on le pose et on savoure, on l'admire. Et je dois dire que, ouais, c'est ce que je vous disais dès l'introduction, je le trouve juste superbe, quoi. Il est vraiment très bien réussi. Je le trouve plutôt bien proportionné. Pour moi, il respecte bien les dimensions, donc échelle 1 de celui du film. Il n'a pas ces mêmes problèmes de proportion qu'avec le casque de Dark Vador qui était sous-dimensionné. Après, gros plus par rapport aux anciens modèles, il a moins par exemple ce côté ce côté Toys, notamment à cause de sa petite antenne que le casque de Poe Dameron. Il n'a pas cette ligne de démarcation là qui trahissait un assemblage de plusieurs pièces comme le casque de Kylo. Il n'y a pas la trappe du Stormtrooper. Donc vraiment un beau casque. Il est plutôt bien peint. Là, je fais exprès de filmer
d'un peu plus près bah, pour que vous voyez bien les détails. Alors, effectivement, pour un cosplay, ça mériterait, je pense, d'être travaillé parce qu'il a ce défaut qu'ont, on va dire, tous les casques de cette gamme qui sont, après tout, des objets industriels. Hein. Ça a été tiré en grande quantité et donc l'ancienneté du casque. La peinture est perfectible, hein, ça fait encore trop propre, trop précis. Il faut voilà appliquer une patine pour le vieillir, appliquer des voilà, c'est les petites imperfections qui font le charme du vrai truc quoi. Et là, c'est ils s'en sortent bien quand même. Hein. Le travail de peinture à certains, bon là un chouïa moins, mais par exemple derrière, là je trouve ça vraiment bien fait. Ouais, ils se sont quand même bien démerdés. J'avoue que je suis impressionné. Et voilà, il n'y a pas. Bon, l'antenne fait un chouïa plastique, effectivement. C'est pour ça, comme je vous dis, là, avec un petit travail de peinture, un pote qui fait du cosplay un peu doué, il vous améliore ça. Il vous fait. C'est une base pour faire un truc exceptionnel. Hein. Pas besoin de débourser des fortunes. Pour info, il était justement entre 120 et 130 euros. C'est le prix de départ. Je l'ai eu à Mania Toys Collector. Super bel envoi, frais de port offerts. Belle transaction. Impeccable. Possiblement, il sera commercialisé sur Amazon. Il y aura peut-être des promos comme il y en a eu dans le passé avec des casques de Storm à 70 euros, mais j'avoue que je voulais pas l'attendre celui-là, je le voulais tout de suite. À titre de comparaison, la marque Rubiz avait sorti un casque, alors il n'y a pas d'effet électronique, il était moins cher, mais comme vous le voyez, bon voilà, c'est un casque d'un bloc, mais bon, c'est clairement pas la même qualité, on n'est pas sur. Le respect des proportions, vraiment à même niveau de finition. C'est beaucoup, beaucoup plus grossier pour quelque chose qui coûtait dans les 50 euros. Donc le casque Black Series est un bon compromis. Et maintenant, c'est l'instant solennel. Ouais. Alors, je vous conseille d'enlever vos lunettes. Il ne faut pas avoir une trop grosse tête pour porter un tel casque. Effectivement, j'ai l'impression que bon, j'ai une petite tête, ça passe, mais vous voyez avec les lunettes, ça aurait été un peu chiant. Alors, petite tête, certes, mais bon, il est assez ouvert vers le bas et donc, en fait, j'ai la tendance à flotter un peu dedans. Par contre, plutôt confortable, il faut le remarquer, et niveau visibilité, c'est plutôt cool. On voit mieux que dans un casque de Storm, c'est clair. Après tout. Pour ça qui vise si mal. Alors, vous avez justement pour régler votre problème de tour de tête une petite molette. Comme ça, pour moi, je sais que je vais le resserrer pour mieux caser, mieux caler le casque. D'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous avez des petits coussinets sur le côté qui fait que c'est plutôt confortable de le porter. Il est vraiment joli. Bon, même si c'est pas l'intérieur qui compte. Voilà, alors là pour le coup, resserré, c'est nettement mieux, il part moins dans tous les sens. Je dois dire que voilà, on est bien dedans. Bon, après, ça me fait quand même une grosse tête avec ce casque, hein. Je vais être obligé d'acheter le costume qui va avec parce que là, en t-shirt, ça le fait pas trop. Et petite fonctionnalité, le tracker de cible. Voilà, les Ah là, la pile, en fait, elle sert à ça, à ces petites électrodes et à ce tracker de cible qui s'illumine. C'est plutôt un gadget, mais c'est joli, ça finit bien ce casque. Casque, bah, comme vous l'aurez compris, qui me plaît beaucoup. Je suis sous le charme et je trouve que c'est pas mal pour le prix. Et en plus, ça fait un bel objet collector d'exposition. Voilà. Là, franchement, c'est un article qu'on n'a pas à rougir d'exposer et que je trouve vraiment d'un bon rapport qualité-prix.
Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et sincèrement, s'il n'y a qu'un casque à choisir dans cette gamme, je miserai sur celui-là que je trouve vraiment super. Merde, il est en train de se barrer.